Good morning, Alaïda Nessisra. Aujourd'hui, les Lunishmat, David Ben Fortuna, Mazal Fritna et Lucien Batraina. Si vous souhaitez vous étudier une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternelles. Nous étudions Masechet Nedarim, Perikudalef, Mishnah Tet. Veneder al-Mana, Ugrusha, Yakum, Aleha, Keitzad. Amra, Areini, Nezira, Le Achar, Shoshim, Yom. Afalpi, Sheniset, Betor, Shoshim, Yom, Eno, Yachol, Lafer. Nadra, Vehim, Irshuta, Baal, Meferla, Keitzad, Amra, Areini, Nezira, Achar, Shoshim, Yom. אף על פי שניתן מנה או נתגרשה בתוך 30, הרי זה מופר, נדרה בו ביום, נתגרשה בו ביום, וחזירה בו ביום, אינו יכול להפר, זה הכלל, כל שיצאת לרשות עצמה, שעה אחת אינו יכול להפר. On continue le thème général de l'annulation des vœux du mari, avec, à présent, une nouvelle situation, une femme qui prononce un vœu alors qu'elle était pour le moment célibataire et qu'elle se retrouve mariée ensuite, ou inversement. Une femme qui va prononcer un néder pendant qu'elle est mariée, mais que concrètement le néder il sera appliqué lorsqu'elle sera déjà divorcée ou veuve. Est-ce que le mari peut annuler le néder? D'accord? C'est déduit d'un pasouk en fait que la Torah a insisté en nous disant « Ve néder almana ou grusha yakum aleya » et le vœu d'une veuve ou d'une femme divorcée, Yakum Alea, eh ben elle sera obligée de le suivre. C'est-à-dire dans la même paracha qui nous a raconté, si vous faites attention, lisez le début de la paracha de Matot, vous verrez combien ça paraît redondant, les situations où la femme qui prononce le vœu, c'est-à-dire en relatant, nous dit, quand tu prononces un vœu, tu dois le garder. Il y a après la jeune fille qui prononce le vœu, alors son père aura la possibilité d'annuler le vœu dans la même journée, Beyom Shomo. Après, la Torah nous parle à deux reprises d'une femme mariée, parce qu'en fait, on parle d'une femme qui est mariée, mais qui est juste fiancée, qui est encore dans la propriété du père et du mari en même temps. C'est ce qu'on avait appris l'histoire depuis le Périkout, je crois. Et puis après, il y a les nédarim du mari. Que le mari aussi peut annuler les nédarim le jour où il entend le néder. Si ça touche à si c'est une souffrance pour la femme, ou encore si ça touche à ce qui le concerne à lui. Ça, c'était le thème général. Mais après, la Torah elle nous dit, tu sais, par contre, « Veneder almana ou grusha yakum alea » mais le vœu que prononcera une veuve ou une femme divorcée, Yakum Alea, eh ben, il sera maintenu, personne ne pourra l'annuler. Or, c'est une évidence née. Si je te dis, tu sais, il y a la femme mariée, son mari peut l'annuler le vœu. Qu'est-ce qui se passe si la femme n'est pas mariée? Eh ben, personne ne peut l'annuler le vœu. Pourquoi il a fallu le dire? Du coup, de cette insistance, la Torah va nous dire, la de Michel va nous dire, en réalité, on parle d'une situation bien particulière. On parle que la femme, elle prononce un vœu, un éder, mais elle s'interdit une chose, donc parler d'un éder d'un ou bien d'un serment, mais qui sera en mise, qui entrera en vigueur lorsqu'elle sera déjà mariée. La femme, elle est la jeune fiancée, elle se retrouve maintenant 7 jours avant son mariage, fiancée dans notre monde moderne, ce qu'on appelle fiancée, donc qui n'engage en rien. Elle doit se marier la semaine prochaine, elle fait un néder que dans 30 jours à partir de maintenant, je passerai 3 jours, je ne boirai pas de coca. D'accord? Elle peut le faire, il n'y a aucun problème. Tu peux prononcer un éder aujourd'hui qui sera appliqué dans 30 jours. Maintenant, ce qui se passe, c'est que dans 30 jours, elle aura un mari. Et s'interdire de boire du coca, c'est une souffrance, vous savez bien, en été, un bon coca frais, donc c'est une souffrance. Et alors, la question est de savoir, est-ce que le mari, il pourra annuler le néder? Est-ce qu'on va selon le moment où la femme prononce le néder, donc elle est jeune fille, ou est-ce qu'on va selon le moment où le néder doit entrer en application, que là, dans ce cas-là, avant d'appliquer le néder, il faut d'abord demander à son mari, est-ce qu'il est d'accord, est-ce qu'il valide ou pas? C'est la question. Et la Mishnah va déduire ça justement du pasouk. Veneder almana ou grusha yakum alea, c'est un pasouk qui n'a aucune utilité pour une vraie veuve ou une vraie divorcée, parce qu'une vraie veuve ou une vraie divorcée, ben, elle n'a aucune propriété sur elle qui peut s'opposer à elle. Donc la Torah, en fait, elle est venue nous dire, tu sais quoi? Même si toi tu es une veuve, ou même si toi tu es une divorcée, et tu prononces un éder qui rentrera en vigueur lorsque tu seras marié, personne ne pourra l'annuler. Parce qu'on va sur le moment où on prononce le néder. Et inversement, je vous dis déjà toute la Mishnah, comme ça on allait dans le d'entrée et tout ira vite. Inversement aussi, si toutefois elle va prononcer le néder pendant qu'elle est mariée, mais qu'il rentrera en vigueur lorsqu'elle ne sera plus mariée. Par exemple, elle s'interdit. Ils ont rendez-vous la semaine prochaine à la Rabbanout pour le guet. Ou encore, elle a déjà pris rendez-vous avec les pompes funèbres pour son défunt mari futur, pour le mari encore vivant. Et elle prononce un éder que dans 30 jours, elle fera telle et telle chose. Ouais, elle ne sera plus mariée.
Alors, et de nouveau, si on dit qu'on va selon le moment où elle prononce le néder, le mari, là, de son lit de mort, il peut dire « je t'annule ». Ouais, et ça sera annulé. Ou bien, si le mari qui est sur le point de divorcer, il va annuler, oui, il pourra annuler aussi. Ou bien, est-ce qu'on ira selon... Ou bien, est-ce qu'elle peut dire « moi, je prononce un néder quand tu seras déjà plus là, de toute façon, donc c'est ce que je veux ». Et la réponse, elle est « non, selon le moment où tu prononces le néder ». Tout est déduit du même verset. Et maintenant, on voit tout ça dans la Mishnah, que... comme le, c'est du donc comme le dit Vénéder, la mana ou Grosha et Komalea, le néder d'une veuve et d'une divorcée, il sera maintenu. Keitzad, comment se présente le cas? Si c'est pour juste une veuve ou une divorcée, c'était évident, donc pourquoi tu as besoin de le dire? Amra, Areni, Nézira, Lachar, Shloshim, elle a prononcé de devenir nazir pendant 30 jours. Ne pas boire de vin, ne pas s'impurifier pour les morts. Même une femme, elle peut être Nézira, bien sûr. Et donc, Areni, Nézira, Lachar, Shloshim, elle fera, elle sera Nézira pour dans 30 jours. Même si elle va se marier ensuite, durant les 30 jours, et qu'après, au moment où le néder va de rentrer en fonction, en vigueur, elle sera mariée, eh ben, elle n'a pas l'affaire. Impossible d'annuler ce néder, parce que c'est un néder qui était prononcé quand elle était jeune fille. Or, il y a une règle aussi qu'il faut bien, on l'a déjà évoqué, que en abal mefer bekoud min, ce sera d'ailleurs la. Non, ce ne sera pas 10 ans, c'est le méchant. En abal mefer bekoud min. Le mari, vous savez bien que le mari ne peut pas annuler les nédarim que la fille a prononcé lorsqu'elle était jeune fille. Elle peut annuler les nédarim que lorsqu'elle est sous sa tutelle, d'accord? Par contre, Nadra vei birshut abal, elle a prononcé le néder quand elle était sous la tutelle de son mari. Mais faire là, le mari pourra lui annuler, même si en réalité le néder entrera en vigueur lorsqu'elle sera plus sous sa tutelle. Keitzad, comment se présente le cas? Amra areni nezira leachar shloshim yom, je suis une nezira. Je ne vais pas boire de vin, et ne pas me couper les cheveux, et ne pas m'impurifier pour les morts. L'achar shoshim yom, dans 30 jours, à partir de maintenant, là, on est telle date, le kaf av, et ben le kaf elul, et ben je serai une nézira. Afal pishen italmena on nidgar shabetor shoshim yom, même si finalement, elle est devenue veuve, ou elle a été divorcée durant ces 30 jours, à réaliser moufar, ce que le mari l'aura annulé au moment où elle a prononcé, ce sera annulé. Nouvelle situation maintenant. Si déjà, Nadra Bobayom, alors là, je vais d'abord introduire à l'oral, non, je traduis le cas directement. Nadra Bobayom, elle a prononcé un vœu pour aujourd'hui. Aujourd'hui, je ne bois pas de coca. On est pour le moment 8h du matin, je ne bois pas de coca. Nidgarsha Bobayom, le mari la divorce dans la journée sans rapport avec le vœu, il n'était même pas au courant qu'elle avait prononcé le vœu du coca. D'accord? C'est nécessaire, la gamin le précise, pour éviter un. Donc, elle a prononcé le vœu. Elle ne boit pas de coca à 8h du matin. Le mari à 10h du matin. Et la divorce. Ensuite, Erzira Bobayom. Et après, à 3h de l'après-midi, allez, finalement, bon, viens, on se remarie. Elle a donné le guet, maintenant il va se remarier dans la même journée, il n'y a aucun problème, il peut le faire. Et après, qu'est-ce qu'ils vont boire sur la table des Khatanim? Ils vont mettre du coca. Elle lui a dit, mais j'ai prononcé le coca que je ne vais pas faire de néder le matin, à 8h du matin. Est-ce que le mari peut annuler le néder? On est encore dans la journée, ça fait 24h. Réponse, et non, il y a quoi à faire, il ne pourra pas annuler le néder. Pourquoi? Zaklal, telle est la généralité. Kol sheyatzat lirshut atzma shahat, toute femme qui est sortie pour devenir une dans sa propriété d'elle-même, c'est-à-dire elle est devenue libre à un moment, elle ne peut faire, le mari ne peut pas annuler. J'explique. C'est très simple. C'est pas comme ce qu'on avait appris en haut avec la fiancée qui était dans la propriété du père, là-bas c'est différent. On va expliquer d'ailleurs la différence. Pour le moment, on explique le cas précis. D'abord, je me marie avec une femme aujourd'hui. Et elle me dit, ce matin j'ai prononcé un néder, est-ce que je peux annuler? Réponse, non. En abaal mefer bekodmin, le mari ne peut pas annuler les vœux qui précédaient le mariage. Si une fois qu'il s'est marié, là, elle nous dit, ouais, une fois que tu m'avais déjà donné la tabate, quand on était en train de marcher, j'ai prononcé le néder, ne va pas boire du coca, je lui dis, ben aucun problème, mon farlar, je te l'annule. Elle peut boire du coca. Par contre, si elle a prononcé le néder avant que je me marie, j'ai pas la possibilité de l'annuler. Dans cette situation-là, il y a maintenant quelque chose de tout nouveau, c'est qu'en fait, elle prononce le néder quand elle est mariée. Si j'entendais le néder à ce moment-là, j'avais la possibilité de le maintenir ou de l'annuler, de faire ce que je veux. Je n'ai pas entendu le néder, pour le moment, je l'ai divorcé. Dès que je l'ai divorcé, elle se retrouve dans un moment où elle est seule maître d'elle-même. Elle est maîtresse d'elle-même. C'est elle qui décide de son sort, est-ce qu'elle prononce un néder ou pas. Dès ce moment-là, le néder qu'elle a prononcé, c'est devenu un néder inannulable. Je ne sais pas si ça se dit, mais en tout cas, je le dis. C'est un néder qu'on ne peut plus annuler, d'accord? Parce que maintenant, ouais, plus personne n'y a la plus de propriété. Hein. Si elle va se remarier, même avec moi, ben, pour le moment, elle va se retrouver maintenant dans ce nouveau remariage, avec un éder qui précédait le mariage, et plus la possibilité de l'annuler.
À la différence du cas qu'on avait eu plus haut, qui était différent, on avait eu un cas là-bas avec une jeune fille. Vous vous rappelez l'histoire de la jeune fille qui est fiancée? La jeune fille d'abord, elle est sur la propriété du père. Lorsqu'elle se fiance, pas mariée, fiancée, alors les nédérim qu'elle prononce pendant qu'elle est fiancée, elle est fiancée, ça veut dire qu'elle a donné les kiddushin, mais qu'ils n'ont pas fait la choupa. Alors, lorsqu'elle se fiance à ce moment-là, et lorsqu'elle prononce un néder à ce moment-là pendant qu'elle est fiancée, on est deux à dominer la situation. Pour pouvoir donner le néder, il y a le père qui donne son refus ou son aval, et le mari qui donne son refus ou son aval. S'il y a le refus des deux, le néder est annulé. Là-bas, on avait vu cette situation-là originale, où en fait, je divorce la jeune fille le matin, elle repart dans la maison de son père, et je la remarie l'après-midi, et puis après j'apprends qu'il y a le néder. Et ben, je peux encore annuler le néder. Parce que là-bas, et là-bas, on avait parlé d'une femme même qui se marie avec 100 maris, même dans une même journée, que le dernier pouvait annuler le néder, je ne sais pas si vous vous rappelez, dans le Perek Yud, il y avait comme ça. À Philoméa, il y avait écrit. Même 100 maris, elle a divorcé, il est mort, elle a divorcé, truc. Et... sans ça, elle se remarie, jusqu'à la fin, le dernier, il apprend qu'elle a pas bu le verre du coca, il dit, hey, 2 minutes avant le chica, ouais, je t'annule. Et pas annuler le néder. Pourquoi? Parce que dans la mesure où la femme, la fille là-bas, c'était une jeune fille qui n'était pas libre d'elle-même, elle n'était pas maître d'elle-même. Parce qu'il y avait son père que aussi, de toute façon, il devait lui aussi valider le néder ou annuler le néder. Puisqu'elle est déjà sous la tutelle de quelqu'un, hein, alors là-bas, hein, s'il y a un mari qui rentre, un mari qui ressort, un mari qui rentre, un mari qui ressort, sans arrêt, tout mari qui rentre, il a la possibilité de donner aussi son avis. Et dès qu'il va ressortir, bah pour le moment, c'est une femme qui n'est pas maître d'elle-même. Donc son néder, il ne va pas être maintenant validé, certifié. À la différence du cas où on a la femme qui est adulte, cette fois-ci, ou même si elle n'est pas adulte, ça en est en même. Même si elle était jeune fille, mais dès qu'on l'a mariée complètement avec Roupa et qu'on a vécu avec elle, même si elle a divorce, elle ne redevient plus dans la maison de son père. Dès qu'elle a quitté la maison de son père, elle ne revient plus chez lui. D'accord? Quand elle est fiancée, elle n'a pas quitté la maison de son père. Lorsqu'elle est mariée, elle a quitté la maison de son père. Lorsqu'elle a genre divorce, maintenant elle devient maître d'elle-même, elle décide d'elle-même de ses nédarim, le néder se renforce, impossibilité de donner ses nédarim, même si je la remarie dans la journée, c'est clair. C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha. Kol Tov Sela.